Hola la Rente, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire cette vidéo qui sera, bon, rapide, certes, mais j'espère quand même que vous prendrez du plaisir à regarder les illustrations que j'ai pu réaliser dans ce livre qui est enfin fini. Alors, pour la petite histoire, donc ce livre que j'ai acheté à Cultura en 2020 sur la période de Noël. Je l'ai commencé le 11 janvier 2021. C'est un livre qui était sorti en 2017 et je l'ai fini le 29 octobre 2023. Ce qui veut dire que j'ai mis un petit peu plus de 2 ans pour le finir. Voilà. Je ne colorie pas les illustrations, je fais simplement que les relier point par point. Voilà, bah écoutez, je vous mets donc tout le livre page par page en musique. J'espère que ça vous fera passer un petit moment agréable. Moi, je suis ravie de comptabiliser un livre de plus terminé dans ma collection. Allez, bah écoutez, c'est parti, installez-vous bien et on y va pour la revue du livre Animaux point par point de Jérémy Mariez. Thank you.
Voilà, j'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir à regarder les réalisations. Moi, en tout cas, j'en ai pris énormément en les réalisant. En les revoyant, là, il y en a certaines où je sais dans quelles circonstances je les ai réalisées et du coup, ça m'a fait énormément plaisir de les revoir. C'est l'intérêt, hein, de ces petits moments-là passés pour nous faire des souvenirs. Voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me dire si vous avez ce livre, à quelle avancée vous en êtes, ou si vous avez des livres comme ça où vous savez que vous allez pouvoir les terminer, ou peut-être sous forme de challenge, qui sait. N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire, du moment que c'est dans le respect et la bienveillance, bien sûr. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, restez au chaud et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À très vite, des bisous!